Shalom, ubracha que Hashem il vous protège. Vous savez que on n'a pas le droit de compter. On n'a pas les, les, les personnes pour ne peut pas leur faire un ara. Lorsque on veut savoir si on est dix, on dit on ne dit pas un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit. Il y a beaucoup de gens qui comptent avec les mains. On n'a pas le droit. Il faut compter au par cœur. Sans dire un deux trois, ou bien avec une petite machine comme qu'il y a dans les avions, l'hôtesse de l'air elle passe, et elle appuie papa papa papa, pa, ou bien euh, chacun prend une pièce, il la met sur la table et après on compte les pièces. On n'a pas le droit de de compter, mais dans la paracha de Bamidvar une semaine, la, la semaine de de matin on lit la parasha de, Mah, de Mahavid Bar, et c'est écrit qu'Hachem il dit aux juifs, il faut recenser les, les, les juifs. Il faut les compter. Chaque tribu, combien ils sont? Alors moi, je me suis, je me suis posé une question. Je dis, pourquoi Hachem, il n'a pas recensé les juifs lorsqu'ils ont quitté l'Égypte? Quand, quand même, on était en Égypte. 400 ans. C est, c est, ça aurait été magnifique de savoir combien il y a dans chaque tribu. Et on a vu qu'on n'a pas recensé les femmes. Je n'ai pas compris pourquoi. On a compté que les hommes, mais pas les femmes. Et pas, et pas les petits-enfants. Mais maintenant, je ne vais pas rentrer dans les détails. Pourquoi on n'a pas compté les juifs en sortant de l'Égypte, pourquoi on les a comptés un an plus tard C'est une belle question. Vous savez, mes amis, lorsque on, on monte dans un avion, le test de l'air, elle passe, elle compte. Elle compte combien Le test de l'air, ne va pas nous compter une fois qu'on a quitté l'avion. C'est une fois qu'on est dans l'avion qu'on est compté. Avant le décollage, pour voici un qui manque un en plus. Alors là aussi, le vrai comptage, ça devait être à la sortie de l'Égypte, pas un an plus tard, dans le désert. Mes amis, j'ai réfléchi et j'ai pensé que Hachem est extraordinaire. Hachem il ne nous a pas recensés après la sortie de l'Égypte, parce qu'on n'a pas encore reçu la Torah. On était sans valeur. Le peuple juif, il a sa valeur lorsqu'il a la Torah. C'est avec la Torah qu'on a la valeur. Il y a un, un président qui a dit à un grand rabbin, si vous les juifs, vous existez encore, parce que c'est grâce à votre Torah grâce à la Torah qui vous unit. Parce qu'il n'y avait pas la Torah qui vous unit, vous ne serez pas aujourd'hui ici. Vous aurez été assimilés. Donc mes amis, après que les Juifs ont quitté l'Égypte, ils étaient sans importance. C'est comme un, 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 un diamant qui est brut. C'est un diamant, mais il est sans importance. Il ne coûte pas grand-chose. Et quand est-ce qu'il peut coûter 10 millions une fois qu'on a nettoyé, une fois qu'il a brillé, une fois qu'on l'a bien travaillé, c'est là qu'il a une valeur. De même les Juifs, c'est une fois qu'ils ont reçu la Torah et un an plus tard, une fois qu'ils ont construit le tabernacle dans le désert, ben c'est là que les Juifs ils avaient une valeur. Là, Hachem il dit mon cher Beno, maintenant je vais les recenser, maintenant je vais mais ici, suis pas au il n'a pas besoin qu'on les calcule. Il sait à HM, combien on est. Mais HM a voulu nous mettre en valeur. Tellement qu'il nous aime. Alors HM a dit, à compte-les. Je veux savoir combien ils sont. On n'a pas compté les femmes. On n'a pas compté les enfants. Ça, c'est une autre raison. Un jour, si Dieu veut, vous allez savoir. Mais je vous dirai... En deux mots, un petit résumé. Les enfants n'ont pas été encore calculés. Pourquoi? C'est parce que, à Hu, il a choisi l'âge. Un âge de recensement. Pourquoi uniquement cet âge-là pour les hommes et pourquoi pas les femmes? Eh bien, mes amis, les femmes, ils sont bénites. Les femmes, ils sont grâce aux femmes, qui a la l'abracha à la maison. Alors quand je vois qu'il a dit, les femmes, ils sont déjà bénites. Alors, ce n'est pas la peine qu'on les compte. Il n'y a pas de compte pour les femmes. Parce que les femmes, il, en là, il peut mettre au moins 10, 15, 20. Vous savez, je connais beaucoup des, des gens. Je connais quelqu'un qui a 17 enfants, 18 enfants, 20 enfants. Je connais un qui, une femme, une qui a 22 enfants. Donc, imaginez-vous à l'époque combien des enfants il y avait à l'époque. Donc, n'a pas voulu qu'il y ait un ara sur les enfants et un ara sur les femmes. C'est pour ça qu'il a choisi un 105, les hommes à partir de 20 ans jusqu'à 60 ans. Pas plus. Voilà, mes amis. Que le bon Dieu vous protège et sachez qu'on est calculé, on, on a une une, une une value aux yeux on HM. a une valeur aux yeux de HM, aussi à la Torah, que je vous donne la santé et la joie à mes على ربي حين بنتم وقف لنا زي خوتم يا وز